Salut à tous, c'est Amnesty Show. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier guide de monture rare et exotique. Et comme beaucoup m'ont demandé, en fait, je vais partir sur le Raptor primordial ivoirien qu'on peut voir à l'écran. Je l'ai déjà looté et beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je l'avais eu. Je pense notamment à Shifu qui a été le farmé tout de suite après que je l'ai dit dans ma vidéo d'aventure. Et pour ce faire, je vous conseille de partir du sanctuaire des deux lunes. De prendre votre monture volante si vous en avez, sinon ce sera par fly, mais en fly je pense que si vous ne l'avez pas débloqué ce sera mort, donc il vous faut votre monture volante absolument. Et on va partir vers le sommet de Kunlai, parce que pour aller à l'île des géants qui se trouve tout au nord de votre carte, il faut passer par le sommet de Kunlai et on arrive ensuite à l'île des géants. Et j'espère que Kondasta sera là pour essayer de loot sa monture. Et j'espère qu'en farmant ces petits dinos pour avoir notre raptor, on aura le petit bonus qui suit pour vous montrer qu'il y a plein de choses sympathiques sur cette île. Mais l'île est très petite. Donc toute cette zone verte, zone d'herbe plutôt, on peut y aller. Là-bas, c'est inaccessible. Et donc voilà, dans un premier temps, je vais vous montrer le PNJ qui vous permet de débloquer... les montures, enfin la monture et la mascotte. Donc, comment procéder en arrivant sur l'île? Pas besoin de vous d'aller chercher directement ce PNJ, ça servira à rien parce que sans os, ça sert à rien d'aller voir le PNJ. Parce que les quêtes elles sont pas à prendre en fait, c'est vous donner les os, la quête est déjà terminée, vous avez juste à lui donner l'item qu'il demande et puis il vous échange. Tout simplement. Ces os contre ce que vous désirez, monture ou mascotte, ou encore des granules d'essence je pense, mais à Légion ça ne sert plus à rien, donc vraiment ce qu'il y a d'intéressant c'est la mascotte et les différentes montures qu'on peut avoir sur l'île. Et voilà, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre sur cette île à part qu'il y a un world boss qui est Ondasta comme j'ai dit un peu plus tôt. Ce n'est que des dinos, il n'y a rien d'autre sur cette île à part des dinos, des dinos, des dinos. Et il n'y a pas énormément de loot, mais il y a des loots sympas. Donc ça, on va essayer de taper du mob pour en trouver 2-3 loots et histoire que vous voyez un peu ce qui se passe sur cette île. Donc quand vous arrivez ici, vous allez être dismount, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Moi je vais faire comme si j'avais pas de plume, donc je vais tomber à la flotte. Hop, comme tout le monde tomberait à la flotte, parce qu'avec le mage, bah, utiliser la plume, vous arrivez direct sur terre. Et là on peut voir que quelqu'un est déjà en train de farmer. Parce que le dino est mort, pauvre dino. Donc moi ce que je fais c'est que j'essaie de trouver le joueur. Donc le joueur s'il tourne dans le sens anti-horloger, bah, je vais tourner dans le sens horloger. Histoire d'essayer de péter ses procs de dino. Donc voilà, on en a un qui est ici. Hop, il nous loot 20 os. Donc c'est ça, un os, vous avez un granule d'harmonie. Et pas un granule de... je ne sais plus ce que j'ai dit. Je crois que je vous ai dit un granule d'esprit, un truc dans le genre. Donc voilà, on va farmer... le but c'est de farmer ainsi les dinos jusqu'à avoir 9999, 9999 si vous êtes belge. Os, parce que je suis belge donc et je sais que parfois on me demande c'est quoi 999. Voilà, donc le but ça va vraiment être de farmer des navres cornes et des reptiles un peu plus haut, mais ce que j'aimerais vraiment vous montrer c'est les petits loots sympathiques qu'on peut aussi avoir sur ces petits bonhommes. Bon, mine de rien, je viens de buter 4 boss, on est déjà à 20 plus presque 10, donc on est à 30, 37, 37 et 9, 46 et 7, on est à 53 os sans avoir rien fait, donc je trouve ça plutôt sympa. Ah, étape la plus importante, déjà eux ils viennent de repop, je les ai loupés, donc on va les buter pour voir ce qu'ils nous donnent, hop, hop. Donc à notre level maintenant c'est très rapide, donc la plus 47, je crois que ça a pris l'autre, ouais,
Ça a pris l'autre. Par contre, lui, il n'a pas été pris en compte. Donc là, on vient de se faire aussi une belle paire de d'os sans avoir rien fait. Donc voilà, on a des os. Quand vous avez vos 9999 os, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez dans cette petite grotte. Donc pas très difficile à trouver, hein, vous avez vu, je vais vous montrer sur la carte quand je serai à l'entrée. On est parlé à ce gars-là, Kuma. Et en fait, une montagne d'os de dinosaures géants, pardon, coûte 9999, donc 9999 si vous êtes belge, comme moi. Et vous mettrez continuer, et quand vous mettrez continuer, ben, vous aurez cette petite monture qui est le raptor primordial ivoirien. Et si vous lui en ramenez 999, donc 999, vous aurez une mascotte. Donc moi j'en avais ramené plus de 10 000. J'en avais ramené 11 000 et quelques. Histoire de prendre un peu tout ce qui passait. Et vous voyez, sur le temps que je suis allé dans la grotte, ben, ça a déjà repop. Enfin, le gros a déjà repop. Donc ça, le taux de pop est assez rapide. Donc la situation sur la map de la grotte, elle est ici. Elle se situe ici. Donc à l'extrême ouest. Et eux, je ne sais pas s'ils lootent quelque chose parce que je m'amusais pas à les taper. C'était une perte de temps, mais on va regarder. Ouais, 15. Et lui. Ouais, donc ouais, 30 os, c'est pas mal quand même, hein, sur deux petits boss comme ça. Et bon, moi le plus intéressant, je trouve, c'est les gros navres cornes, les tout tout gros. Eux, je les trouvais vachement cool. Donc je pense que c'est pas la plus chouette des montures à farm. Mais au final, elle est facile à faire actuellement. Je dois d'abord choisir. Et c'est assez rapide, quoi, et je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et on va faire une ou deux fois le tour de l'île pour vous montrer qu'il y a moyen d'avoir pas mal d'os. Enfin, je vais au moins faire une fois le tour de l'île. Et ben voilà ce que je voulais vous montrer, un œuf primordial. Donc ça fait 10 petites minutes que je farme, à peine, parce que j'ai même pas farmé. Et voilà, et là-dedans. Donc moi, il m'en manque une sur toutes les montures que l'on peut obtenir. J'aimerais le jeter parce que ça ne me servira à rien. Hop, maintenant je peux le faire. Donc voilà, maintenant il faut que j'attende 3 jours, comme vous pouvez le voir. Et dans 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, tout simplement, on va ouvrir notre codex de monture. Et on va taper Raptor Primordial. Et donc voilà, on pourra dans cet œuf. Il pourrait y avoir soit un raptor primordial noir, comme celui-ci. Je vais vous montrer en jeu. Voilà. Donc en fait, il y a trois raptors dans cet œuf. Enfin, trois raptors différents. Voilà, le vert. Et moi, il me manque uniquement le rouge. Donc j'espère que ce sera le rouge. La dernière fois, j'ai reloué un vert. Et après les 9900, ben, ce sera ceci. Donc voilà, on va faire une fois le tour de l'île pour vous montrer combien d'os on va loot. On va voir si Ondasta est là. Qui c'est? Il n'est pas Donc le plus intelligent, ce serait de refaire le tour, mais dans l'autre sens. Vu que le gars est en train de farmer dans le même sens que nous. Mais bon, ce qui est sympa, c'est que je vous ai montré, je voulais vous montrer un petit truc sympa de l'île. Mais là, on a une monture gratuite. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser votre battle tag, parce que j'ai plein de petits navrecornes frais à donner. C'est des mascottes, j'en ai encore 9, je pense. 1, 2, 3, 6, 9. Oui, j'en ai encore 9 à donner. Donc, si vous voulez un petit navrecorne. Tout sympa, tout mignon. Un petit message en commentaire avec votre battle tag et vous me dites que vous le désirez et on se retrouve en jeu et je vous apporte un navrecorne.
gratuitement. Ça me fait plaisir de les donner. J'en ai déjà donné sur mon stream. D'ailleurs, je stream presque pour le moment presque tous les soirs. Donc si vous voulez me retrouver le soir après 8h30, vous pouvez me retrouver sur twitch.tv/amnesieshow. Ce sera dans la description comme d'habitude. Sinon j'ai des horaires assez cool de stream, donc passez faire un tour, passez vous abonner, ça me ferait plaisir. Et si on peut se faire plaisir en jouant tous ensemble, why not? Donc là c'est un knock 2. Si vous voyez quelqu'un de votre faction, n'hésitez pas non plus à l'inviter. Parce que ce qui va drop, ce qui va faire tomber, vous les aurez aussi. Même si vous repassez 5 minutes plus tard. Les dinomes anciens, ne les faites pas, ils donnent que 1 ou 2 os chacun. Enfin, en tout cas, les 10-15 que j'ai buté en faisant ma quête des 9999 os, c'est ce que ça avait pris. Donc à part ça, il n'y a rien d'autre à faire en fait, c'est du bashing mob. Je vous conseille pas de venir dans ces heures-ci, vers 14h, parce que énormément de monde entre 15 et... Moi j'y allais toujours après 20h et je dois dire qu'il y avait une ou deux personnes maximum. Et ça se gère plutôt bien à une ou deux personnes. Tant que lui est sur la moitié de l'île et vous l'autre moitié, si vous tournez en sens anti-horloger l'un à l'autre, donc un dans le sens horloger et l'autre dans l'anti-horloger, pardon, vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Donc voilà, là c'est sympa, donc je sais que j'ai une monture là-dedans maintenant, si je l'ai déjà, c'est dommage parce que je peux même pas faire plaisir à des amis parce que on peut pas la donner. Et ça c'est vraiment con. Et lui comment il nous a donné. Et il arrive parfois qu'en 5-10 minutes on en loot 2, mais on peut en transporter qu'un. Donc ça vous fait revenir tous les 3 jours farmer ici. Mais bon, c'est plutôt sympa. Comme petit tour. Et moi, j'ai bien aimé faire... Parce que je vous dis, j'ai été assez vite pour farmer tous mes os. Donc voilà, on va regarder quand on arrivera là-bas. Ce sera déjà la fin du guide. J'espère que ça a été assez complet. C'est le premier que je fais, donc soyez clément avec moi, s'il vous plaît. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, en fait, sur l'île des géants. À part Ondasta qui n'est pas là, je ne sais pas toutes les combien il pop. Donc ça, je vais pas vous faire patienter pendant une heure ici. Au pire, je referai un épisode avec le chat de la colère. Et tout ça, tout ça. Et donc voilà, là on a un truc qu'on peut vendre. Vous voyez, il y a vraiment moyen. Donc un seul tour de l'île, qu'est-ce que ça m'a donné en os? On est déjà à 641 os. Donc... vraiment en se baladant. Maintenant vous, si vous rushez, moi je pense que j'ai mis 2 heures à le faire en farmant. J'ai fait 2 heures non-stop dessus et puis j'ai eu la monture. Je l'ai fait en live en plus, donc pas mal de gens étaient « Oh, comment t'es arrivé là-bas » J'espère qu'ils viendront voir ce petit guide pour voir comment je suis arrivé sur cette île. Parce que c'est pas très difficile en fait, mais c'est vrai que l'île des géants était un peu oubliée avec le temps. Et donc voilà, je vous souhaite un bon farm. Donc n'oubliez pas que la grotte elle est ici. Je vais peut-être vous montrer 900. Enfin, je sais pas si arrivé à 900 la mascotte vous intéresse, mais n'oubliez pas qu'à 900 il y a une petite mascotte, il n'y a pas que les montures. Et voilà, j'allais dire je vais vous montrer, mais c'est court 300 os et ça risque d'être un peu rébarbatif de vous montrer uniquement ça. Donc voilà, je vous souhaite. Un agréable farm et je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine monture. Donc voilà, ici il y a 5 montures si Ondasta vous loot la sienne. Je crois que je vous ai pas montré celle d'Ondasta, donc avant de vous quitter je vais vite vous la montrer. Je crois que c'est un navre, c'est le navre corne de cobalt, je la trouve très belle. Donc voilà, excellent farm à vous et bon jeu, à bientôt les amis pour un prochain épisode de monture.